Hello les Poképotes, salut, c'est Pika Silver. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une incroyable vidéo avec en fond d'écran le coffret Dracaufeu X Collection Premium, un coffret insane, et on va s'ouvrir le coffret Elector X de la collection Écarlate et Violet 151. Et ça, c'est juste après l'intro. Let's go! Voilà les Poképotes, alors on va s'ouvrir ce coffret Elector X de la collection 151. D'abord, je tiens à faire un petit coucou à Karl et Léo, voilà des Pokéfans qui sont toujours là pour les vidéos, qui regardent et qui sont toujours au top des vidéos pour nous regarder. Et puis le plaisir de la collection et des cartes, voilà. C'était un petit coucou à Karl et Léo. Let's go les Pokéfans. Ok, j'espère qu'on aura de belles cartes ensemble et qu'on va faire évoluer la collection. Voilà. Alors, la présentation du coffret. Dracaufeu X Collection Premium. Voilà, dans ce coffret, il est insane. Franchement, un peu cher. 55 €, pas moins. C'est le prix de base. Donc voilà, dans ce coffret, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 boosters. La carte Reptincelle holographique, la carte Dracaufeu X Full Art, la carte Salamèche holographique. Voilà, 3 promos et 1, 2, 3, 6 boosters. Les sleeves Dracaufeu, bon, mais Pokémon Company un peu opaque, mais bon, c'est voilà, c'est des sleeves opaques. Voilà. Une fois qu'on a mis les cartes, ben on voit plus la brillance, on voit plus les reflets, on voit plus rien. Mais bon, c'est quand même des sleeves essentiels. Voilà, au lieu d'en acheter, on utilise cela. Voilà. Et ça, ici, là, pour la première fois des coffrets, il y a un présentoir magnétique. Ça veut dire que vous avez une base, vous mettez votre carte dedans, vous refermez avec la deuxième partie magnétique. Votre carte, elle est emprisonnée dedans en sandwich. Et il y a un présentoir pour me la mettre par exemple dans une vitrine ou sur la table de nuit ou quoi. Mais bon, voilà, c'est la première fois que Pokémon fait ça dans un coffret. Coffret, collection premium. J'en ai qu'un, je le garde en scellé, c'est le mien. Si j'en ai un deuxième, ben je vais le garder pour, voilà, comme la plupart des collectionneurs, le garder en scellé pour le revendre un peu plus tard et faire un petit peu de plus-value pour se rentabiliser, voilà, ou peut-être même 3 coffrets, voilà. Et écoutez, voilà. Mais alors ce soir ou aujourd'hui, si vous regardez la vidéo, ce soir, aujourd'hui, voilà, c'est comme ça, on va s'ouvrir le coffret Elector X. Et dans cette vidéo, voilà, la carte Elector X, la Jumbo Elector X normale et la carte Electek. Ça sera pour Karl et Léo. Voilà, je le dis, je l'annonce dans cette vidéo. Et ben, les 3 cartes là seront pour Karl et Léo. Voilà, ok. On va s'ouvrir ça. Je suis content pour les Pokéfans. On va s'ouvrir ça avec le petit couteau qui va bien. Let's go! En espérant qu'on ait une dinguerie parce que. J'ai l'impression que je suis plus chanceux avec les coffrets Elector X qu'avec tout le reste. On a, bon, vous avez vu dans les dernières vidéos, c'était pas top. Voilà, aucune SAR, aucune secrète alternative rare. Juste une ex Dracaufeu et une Dracaufeu qu'on a eu dans une ETB. Voilà, le reste c'était pas glorieux. Avec les enfants, on a ouvert aussi un coffret Elector, c'était pas mal. On a eu un Florizarre X, voilà, mais pas de SAR, aucune SAR. Et je tenais à vous dire, j'ai 4 coffrets, 4, ouais, 4 coffrets premium. J'ose même pas en ouvrir une. Bon, c'est sûr, il y en aura une pour moi et pour les petits. J'ose même pas en ouvrir une, tellement je vois les vidéos, on a peur du ratio, quoi. Donc, mais bon, c'est comme ça.
Voilà, c'était la petite histoire. On va s'ouvrir ça. Donc voilà. Alors les cartes promo pour Carl et Léo. Voilà, Elector X, Jumbo, Electex, Electek. Avec comme on voit que c'est une promo. Voilà, c'est pas comme la même dans la série, parce que dans la série elle est là. Mais comme c'est une carte, bon, il n'y a pas marqué promo. Mais ce qu'on différencie à la promo, c'est que on voit des petits reflets brillants sur le bord brillant de la carte, que dans la série elle n'y est pas. Voilà, ok, let's go. Je vous présente la Jumbo Elector X. Franchement, toutes ces étoiles, c'est magnifique. On va la mettre ici. Let's go. Attendez, mieux que ça. Let's go. C'est parti. Voilà, 4 boosters. On va les mélanger. Comme ça, ceux de gauche, ceux de droite, on va les mélanger. Et let's go, let's go, let's go, let's go. Ok, 4 boosters. La carte code aussi, c'est pour vous. Avec tout. Ce soir, c'est tout Dracaufeu, mais bon, c'est 151. On implore le Dracaufeu. Là, franchement, en matière de Dracaufeu, on ne peut pas plus implorer. Le coffret Dracaufeu X Collection Premium. Le tapis avec Dracaufeu qui crache du feu. Let's go partout. Voilà. Alors, pour vous, ceux qui font la collection online et qui jouent online, le code écarlate et violet, collection Elector X. C'est pour vous, let's go. Alors, on a les 4 boosters qui sont là. On va commencer. Je fais un peu de place, pas abîmer les cartes. Ok, allez, c'est parti. Je suis vraiment très content de faire cette vidéo avec vous. Bon, il y en a, ils font une manipulation. Moi, je la fais pas, hein, puisque la dernière carte, c'est la carte code. Ok. Voltorb, Sablette, Krabby, Otaria, Piste cyclable, Insécateur, Reptincelle, let's go! Que du feu ce soir! Reptincelle, elle est magnifique! Mystère bleu, mystère de l'herbe, Machopper et Ossature, ok. Full énergie point sur la. Et énergie de base. Ah oui, il y a 2 cartes. En fait, ouais, c'est pas. Il y a pas. Je les mets ici. C'est quand même 2 belles cartes. Ok. Que je vous montre. Voilà. Ouais, en fait, si on fait pas la manip, il y a quand même énergie de base après la dernière. Et le carte code. Voilà, la carte code qui est pour vous. C'est que vous êtes friand de ça. Ok, let's go. Premier booster. On enchaîne. Deuxième booster. Franchement, super le coffret. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous en avez eu en commentaire. Il est sorti aujourd'hui, hein, c'est officiel. Voilà. Comme la boutique, elle m'a appelé, elle m'appelle toujours quand il y a les nouveautés. Savoir si je peux réserver. Et là, c'était bien sûr, sans discuter, ce coffret. Let's go. Ouh, ça brille beaucoup. J'ai l'impression que ça brille beaucoup. Vous avez vu, c'est toujours les cartes ben, holographiques avec le bord brillant où il n'y a rien. Sac de nœuds, Tadmorph, Psychoquack, Abo, Spectrum, Aquaquack, Scarabrut, Machoke. Bon, pas de Godpack, Fantominus et. Wouah, Grolem! Let's go! Une ex! Et peut-être une énergie. Non. Ok. Let's go, je suis super content. Je l'avais pas, c'est qu'une simple ex. Mais je suis content, ça fait compléter la collection. Grolem, ex. 330 de PV en énergie point. Énergie combat, let's go. 189 sur 165. 2 étoiles silver, let's go les Poképotes. Ok, cool. Allez, on sleeve ça. L'état de la carte, centré. Impeccable. Et derrière, un petit point blanc. On le voit bien ici. On va essayer. Non. Il ne part pas. Un point blanc. Un beau point blanc. Hein. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Un deuxième point blanc. Regardez la diagonale.
On se fait une petite diagonale point blanc, les gars. Les Poképotes. Ouais, c'est, et ici, en plus, un ici, on voit bien. 1, 2, 3 points blancs. Ok, on est un candidat. Cette carte, franchement, ben, avec 3 points blancs sur derrière. Le centrage est quand même nickel, hein, je veux pas dire. Pour une fois qu'on a une carte bien centrée, eh ben. Encore non, elle n'est pas centrée. Vous voyez bien là, l'espace qu'il y a là, l'espace qu'il y a là, c'est. Non, voilà, ben franchement, 8,5 pour cette carte. Il n'y a pas besoin de l'envoyer pour savoir combien elle vaut. Hein. 3 points blancs, pas trop bien centré. Voilà, 8,5 pour ce Grolem. Et vous voyez la différence une fois qu'on a mis la carte dans les sleeves Pokémon Company. Et ben voilà. C'est fini quoi. C'est fini. Ah, je vais pas gâcher le Dracov. On va la mettre là. Let's go, c'est parti. On s'ouvre le troisième booster. Et ben avant de s'ouvrir le troisième booster, c'est la moitié du coffret. Et qu'est-ce qu'on fait à la moitié du coffret, la moitié des boosters? Qu'est-ce qu'on dit? N'hésitez pas à vous abonner. Let's go, la Poképot, la Poké Family, tout le monde, on s'abonne. Ok, allez, on continue. C'est parti. Le troisième booster. Et mettez un petit pouce bleu aussi. Hein, et des commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de la chaîne? Voilà. Allez, c'est parti. Le petit code. C'est pour vous, la Poké Family, la Poképot. Let's go. Les Pokéfans. Allez. Ah, mais ça vient. Carapuce. Hey, Carapuce. Oh, Carapuce. Deux Carapuces. C'est les Carapuces de mes petits. Let's go. Pour la reine, avec, franchement, deux peluches Carapuce. En fait, c'est pas des peluches, c'est des petits sacs à dos. En fait, il y a une petite tirette, ils mettent ça sur le dos, c'est cool. Let's go. Carapuce. En fait, c'est leur recharge des fléchettes nerf quand on fait les combats dans la maison. Ils mettent les fléchettes là-dedans et c'est la guerre. Excellent. Mimitos, Rokul, Crustabri, Charisme de Giovanni, Rhinoféros, Mister Mime. Ok, Doduo, ça sera pas un God Pack. Et Nidoking en holographique, let's go. Ok, il reste une carte. Ouh, énergie de base, let's go. Elle est magnifique. Génial. Franchement, cette 151, c'est top. Hein. C'est vraiment top, mais le taux de drop est dur. Hein. Franchement, il reste un booster et il n'y a pas trop d'espérance. Je vais sleeve la carte. Regardez bien la différence quand on sleeve la carte. Franchement, on dirait le ciel en été. Quoi. C'est beau. Il y a plein de gens qui disent, ouais, on s'en fout, machin. Ouais, on en a marre des cartes, mais ben, moi, je suis content. Franchement, je suis content. Dites-moi en commentaire. Tout le monde en a son... Je dirais pas le mot, mais bon. Voilà, énergie de base. Bah, au lieu d'avoir une énergie simple, on a un petit holo comme ça, une petite foil. Et c'est cool. Franchement, c'est cool. Rien que pour la beauté des reflets, tout ça. Ok. Regardez, une fois qu'on va se sliver. C'est fini. Ok. Voilà, dernier booster, les Poképot, la Pika Team. Voilà. On va s'ouvrir ça. Le dernier booster. Ok, Porygon. Electek. Ah, voilà, ça c'est la carte. La même carte que la promo, mais en simple, sans holographique. Rhinocorn. Sac de nœuds. Hippomade. Tartare. Roux Carnage. Ouh, Electek, let's go. Ok, cool, on l'avait pas celle-là. Electek en reverse. Non, en holo reverse. C'est même pas une rare, elle est magnifique en fait la carte. Le Machopper en reverse. Let's go. Et derrière. Let's go, le Floriza. On l'a eu avec les petits. Let's go. Et derrière, énergie de base. Ouais. Quel beau coffret.
Ben voilà, ben, ouais, c'est cool, franchement c'est cool. Il y en a beaucoup, ils disent, oui, le Florizard il tombe jamais, il tombe jamais. Nous, c'est la deuxième fois qu'on l'a, let's go. Magnifique, le Florizard X, ok. Ah, je suis content quand même, c'est pas mal, c'est un beau coffret. Ok. Florizard X, évolution de Air Bizarre. Tout le monde le connaît. 182 sur 165. Magnifique reflet. Ok. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais c'est pas possible. Pas trop cadré, on voit bien la même différence que tout à l'heure. Ici, c'est. Voilà, on voit très bien que c'est mal cadré. Hein. Plus c'est un centrage sur la gauche. Ok, des points blancs, on voit. Pardon. Des points blancs, en veux-tu, en voilà. Ok, ouais. Les bords sont mal coupés, c'est pas arrondi. Ici, c'est. Pardon, je vais essayer de vous montrer. Ouais, c'est pas trop arrondi, on voit que c'est coupé par là. Un beau point blanc, ici, ça arrondit, ici. Ben, c'est pas arrondi. Là aussi, c'est. Ouais, c'est compliqué en français hein, d'avoir des cartes parfaites. Bon, au moins, c'est tellement dur avec 151. C'est déjà pas mal d'avoir des cartes. Alors, si on demande qu'elles soient parfaites, ouais, c'est compliqué. Voilà, ben, regardez la beauté de la carte avec la full art. Florizard X full art. Il faut qu'on la mette dedans. Délicatement. Voilà. Ça change tout. Ok, c'était Pika Silver pour les Poképotes, la Poké Family. Un beau petit coffret. Bon, ben, on peut pas dire que c'est. Ouais, normal. Un coffret bien avec deux belles cartes X. Voilà, on demande pas la lune, mais bon, c'est pas. C'est pas. Voilà, on n'ouvre pas des coffrets pour que ça soit non plus rentable à 300%, mais bon, ça fait plaisir. Un coffret, 4 boosters, 2 ex. Bon, c'est raisonnable. Ce coffret, bon, c'est sûr, on est tenté de l'ouvrir, mais bon, voilà, si on en a qu'un, ben, autant le garder scellé. De toute façon, si on le garde, ben, on a quand même la carte, on a quand même les cartes. Et voilà quoi, c'est la beauté de la collection, même en scellé. Voilà. Ok, c'était Pika Silver. Pour de nouvelles aventures, on fait aussi un gros bisou à Pikachita. Prochainement aussi, on va faire des vidéos ensemble. On fait un gros bisou à tout le monde. Ok, let's go. Ciao les Poképotes, la Pikachim. Let's go.